Quand on a des actes abominables, comme le terrorisme, ce qui s'est passé lors de l'année 2015, il faut une réponse. Pas une réponse, je vais dire, banale, simple, il faut une réponse forte, une réponse de la République qui mette en dehors du champ de la République des gens qui, faisons le constat, se sont mis d'abord eux-mêmes en dehors de la République et en fait attaquent nos valeurs. Donc ils ne méritent pas. Il ne mérite pas de rester français. L'essentiel, c'est de donner un symbole. Cette question ne réglera pas tout, évidemment, et ne permettra pas de lutter efficacement contre le terrorisme islamiste. Mais c'est un symbole de la volonté forte des Français et de la France de ne pas se laisser marcher sur les pieds par les ennemis de la France. Et donc, quand on est djihadiste islamiste et qu'on combat la France, on ne mérite pas d'être français.